entre les deux yeux. L'ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Le drone ennemi est actif. Drone cible marquée, feu à volonté. Reçu. Phoenix 2-3 en approche. Frappe imminente. Drone ennemi juste au-dessus. Aucune cible n'a été touchée. Le drone ennemi est actif. Drone hostile dans le secteur. Attention, le drone quitte la zone. Dans la zone des opérations. Oh merde! Drone ennemi est actif. Le drone ennemi est actif.
What the fuck, man? What the fuck? Drone hostile dans le secteur. Belle progression. Il en restait 25. Hey, GG boys! Hey yo, salut tout le monde, c'est Oki. Alors pour cette classe, pour le FGX Imperium, ou encore appelé l'intervention, j'ai voulu utiliser une lunette thermique, une lunette vision nocturne. J'ai vu un américain faire ça, je crois que ça s'appelle T-Captain X, si je dis pas de bêtises. Et franchement, il expliquait que le viseur thermique diminuait le temps de viser. Donc la visée était accélérée. Contrairement à Warzone 1, où souvent les viseurs thermiques, il y avait une sorte de un petit peu de temps de latence en plus par rapport aux viseurs normaux. Et donc c'était un peu plus lent. Et donc j'ai voulu essayer. Et franchement, le résultat est très 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 satisfaisant. Donc pour la classe de base, bah, si on veut faire du one shot, il faut forcément mettre les munitions explosives. Hein. Donc avec l'ajustement suivant, porter dégâts et vitesse des balles au maximum. Un peu de vitesse de balle aussi avec forcément le Nilsson 90 en silencieux. Et on met par contre visée accélérée au maximum. On veut vraiment un sniper qui soit mobile. Donc la poignée arrière school 40 pour tout ce qui est cadence de tir, améliorant sprint et visée accélérée. Et également le laser donc VLK 7000 watts. Pour les mêmes raisons. Et donc du coup, le fameux viseur, c'est le viseur ou la lunette vision nocturne Schlager. Avec du coup les ajustements suivants, vis accélérée et position de l'œil lointaine au maximum. Et donc c'est un x6. Donc c'est ça vise un peu plus loin que le Delta 4 que tout le monde utilise. Et franchement, je trouve que le résultat est très 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 correct. Alors il faut savoir qu'on voit du coup le reflet de sniper, mais je crois que le Delta 4 on le voit aussi, si je dis pas de bêtises. Il est où le Forgetech Delta 4? Ouais, on le voit aussi, mais bon. Et alors du coup vous voyez les inconvénients, visée accélérée, vitesse de marche en visant, alors que le Schlager il a pas ça.
Au contraire, il les a dans ses avantages. Donc c'est pour ça que ce viseur est franchement super intéressant. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.